Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo Squishies, ça faisait assez longtemps. J'ai attendu quelques semaines avant de vous faire cette vidéo, puisqu'en fait j'ai réuni pas mal de nouveaux Squishies. Je les ai commandés tous sur Amazon, je vous mettrai les liens en barre de description. Allez, on commence alors par celui-ci. Alors c'est un petit gâteau unicorn. Alors au niveau de la finition, je trouve que ça va, c'est correct. Bon après, regardez, ça pèle, ça s'abîme un petit peu quand même. Ouais, non, au niveau de la finition, de la qualité, c'est moyen. Après, les prix, vous allez voir si vous cliquez sur les liens, ils sont très abordables. Il est sale ici, je trouve. Après, il est très très beau de loin, je vous montre. Il est vraiment magnifique. Alors, on va tester maintenant son effet squishy, s'il tient très longtemps ou pas. Pas mal. C'est pas le meilleur, mais j'aime bien. En plus, il est assez grand pour la main, donc ça détend vachement. Ouais, il reprend sa forme assez rapidement, mais j'ai connu pire, surtout pour ce prix. Voilà, donc il est vraiment magnifique celui-là. Je trouve qu'au niveau de l'originalité, il est vraiment très très cool. Alors on va passer à un autre que je trouve vraiment très sympa au niveau du design. Il s'agit d'un petit lapin. Alors il me fait trop penser à un Tamagotchi, Pokémon, je sais pas, mais il est vraiment trop mignon. Alors j'ai une préférence pour celui-là d'ailleurs. Alors au niveau de la finition, c'est correct encore, je trouve. Peut-être un petit peu mieux que le précédent. Bon, on va le tester. Il reprend super vite sa forme, par contre, je trouve. Plus que l'autre. Ouais. Et en main... Ouais, il reprend bien sa forme rapidement, lui. Bon, après, il est très très beau et il est quand même très doux. Et j'adore sa petite frimousse. Donc voilà, il est vraiment sympa. Allez, on continue. Alors, celui-là, énorme coup de cœur, c'est comme une petite poupée vaudou. Ils sont super bons, celui-là. Et il a l'air hyper squishy. Je sais pas, vous allez voir. On va tester. Ah, voilà un vrai squishy. Regardez le temps qu'il met pour reprendre sa forme. Ah oui, rien à voir avec les deux précédents. Il est génial. Il est doux. Ils sont bons. Et en main, ce que ça donne... On l'a bien ouais, en main et il est agréable et déstressant. Ah oui, donc là c'est mon préféré niveau squishy. Après pas niveau cute, mais en squishy, c'est le meilleur. Ah, il est vraiment bien. Bon, je vous le conseille celui-là sur Amazon. Je vous mets le lien. Il est trop mignon. Voilà. Alors on continue, alors vous avez vu le fond, c'est un fond Galaxy, j'adore les fonds Galaxy, les dégradés. Et j'ai acheté un Squishy Galaxy, alors c'est un peu Tyrène, ouais Tyrène. Et j'adore le dégradé du bleu au violet, c'est trop beau, vraiment très très beau. Il est très doux, ils sont assez bons je trouve, un peu le savon. Voilà, bon on va le tester. Waouh! Oh punaise! Alors lui, il a gagné. Il a gagné, c'est le meilleur. Mais regardez le temps qu'il met. J'ai pas ralenti la vidéo. Hein. Bon, les deux profils. Alors, on aplatit bien. Et on fera peut-être une petite course après, on va les comparer, ça va être sympa avec les autres Squishies.
Ah oui, il est vraiment génial. Bon, bah voilà, de mieux en mieux. En plus, il est cute. Alors, il a toujours pas repris sa forme initiale. Ça met beaucoup de temps. Eh ben, bravo. Il a toujours pas repris. Si, presque. C'est bon. Allez, alors en main. Oh, il est très moelleux. Très moelleux. Bah, c'est le meilleur. Pour l'instant, niveau rapport qualité-prix, c'est le meilleur. Ouais, il a gagné pour l'instant, mais il en reste encore un. Donc, on va voir. Allez, le dernier, j'ai craqué pour un bâtonnet à glace. Alors, celui-là, il était emballé avec un très joli emballage. Il coûtait un peu plus cher que les autres. Il doit être officiel, je pense. Il doit être vraiment japonais. Voilà. Bon, allez, on l'ouvre. On va voir s'ils sont bons. Ah, ils sont forts. Ils sentent le chimique quand même. Ouais, faut pas le sentir de près. Mais par contre, regardez. C'est le plus réussi de tous. Au niveau de la finition. Et c'est un vrai. Regardez, on a la marque ici. Donc un vrai squishy. J'aimerais bien trouver des vrais squishy comme ça. Après, il n'est pas hyper cher hein, quand on compare à ceux qui vendent en magasin, par exemple dans les grandes surfaces ou magasins de jouets. Il y en a qui coûtent quand même 12 euros alors qu'ils sont moins bien. Ouais. Alors lui, au niveau de la couleur, le dégradé est très très beau. J'aime beaucoup aussi, on a un effet un petit peu brillant métallique. Il est très beau. Allez, alors, on va le tester comme ça, tiens. Ah. Bon, c'est pas le meilleur, mais quand même. Quand même. Alors, je sais pas, peut-être comme ça. Trop génial. Allez, en main. Waouh. Alors là, c'est. Je sais pas si c'est mon préféré. Je pense que c'est mon préféré de tous. Oh. Ah ouais, celui-là, niveau rapport qualité-prix, il gagne. Et c'est plus mignon plus, je trouve. De toute façon, vous allez mettre en commentaire votre préféré entre les 5. Je vais vous les remontrer. Mais celui-là, c'est le plus beau. La finition, la meilleure. Alors, quel est votre préféré parmi les 5? Moi, je les adore. Les 5, regardez, ils vont super bien ensemble. Ils sont super mignons. Je les adore. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous voulez d'autres vidéos Squishies. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à aller sur mes réseaux sociaux pour voir les photos en détail. Alors, on va faire un petit comparatif avec le moins bien et le meilleur niveau Squishy. Donc, moi, j'avais dit que c'était celui-là le moins bien et celui-là le meilleur. 1, 2, 3, c'est parti. Bon, à gauche, il a repris sa forme. Et le petit renne, toujours pas. Eh ben, bon, il a gagné. On va comparer ces deux-là. Bah, je crois que celui-là a repris sa forme. Donc lui a gagné, au revoir. Maintenant, on va comparer ces deux-là. Ah, il a gagné. Et on va comparer ces deux-là. J'avais un doute. Bon, le grand vainqueur, c'est celui-ci. Bravo! Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Salut !